Alors bonjour à tous, et merci d'avoir grimpé les trois étages pour venir jusqu'ici. Je vais vous présenter donc la conférence aujourd'hui qui est « Sciences ouvertes contre business et publication ». Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Jonas Gouraud, je suis doctorant jusque dans quelques jours en neurosciences. Et en fait la science du coup, celle que je vais présenter en tout cas et que j'ai découverte, je l'ai découverte pendant ma thèse. C'est-à-dire qu'avant je venais d'une école d'ingénieur et la recherche fondamentale en tout cas on n'en faisait pas du tout. En tout cas de ce que j'ai fait dans mes études et dans mon stage en fin d'année. Du coup j'ai découvert cette science. J'ai été impressionné par le nombre de personnes qui étaient complètement dédiées à ce domaine-là. Par exemple, des gens qui vont travailler jusqu'à 21h le soir, qui vont travailler une fois que les gamins sont couchés à 22h, qui vont répondre aux mails le week-end. Et ça, je trouvais fabuleux. Enfin, des gens qui voulaient faire avancer la science dans l'idée du terme tel qu'on l'entend de manière générale, qui va être tout ce que vous voulez dans le sens, bien de l'humanité, faire avancer les connaissances, faciliter la vie des gens. Et pour moi, c'est cette science-là qui m'a plu au départ et pour laquelle j'ai voulu faire une thèse. Après, j'ai découvert aussi qu'il y avait un autre aspect, et un de ces aspects-là que je vais présenter aujourd'hui, c'était les publications. Juste pour faire un petit tour, qui est-ce qui a déjà lu une publication parmi vous? Ok, voilà, je comprends bien pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Du coup, j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu le domaine, donc je vais d'abord présenter les principes fondamentaux de la science. Ensuite, je vais présenter ce qu'est une publication et tout le processus. Et ensuite, j'en donnerai l'historique qui nous a amené aujourd'hui à un système qui, à mon sens, est biaisé et qui fait du mal à la science telle qu'on l'entend normalement. Enfin, je donnerai les quelques solutions qui commencent à émerger, autant du point de vue individuel que organisationnel. Alors d'abord, qu'est-ce que la science ? Ici, vous avez Karl Popper. Karl Popper, autricho-anglais, je crois, est un des philosophes des sciences du XXe siècle, sinon le qui a été le plus productif, et en tout cas un des plus grands. Et les deux principes qu'il a supportés au niveau de la science, c'était la reproductibilité et la réfutabilité. La reproductibilité, c'était, ok, vous avez un résultat, très bien. Est-ce que moi, je peux le refaire si vous me donnez la méthode que vous avez utilisée? Si c'est possible, si je peux récupérer ces résultats, alors dans ce cas-là, on peut accepter ce résultat comme étant un résultat scientifique que n'importe qui peut réutiliser. Si ce n'est pas le cas, alors dans ce cas-là, c'est comme une impression, comme quand quelqu'un vous dit « j'aime pas le beurre », oui, mais ce n'est pas scientifique, c'est subjectif. Et c'était la science qu'on faisait, surtout au niveau de la psychologie, encore au 18e ou 19e siècle, même de la psychiatrie avec Freud, où dans cette idée-là, c'était chacun donnait son avis, puis ensuite on débat de ces avis-là. C'était assez compliqué parce qu'au final, vous ne pourriez jamais reproduire les impressions des gens, vu que vous n'étiez pas eux. La deuxième chose, c'est la réfutabilité. La réfutabilité, c'est si vous faites une théorie, il faut que cette théorie produise des effets observables et réfutables. C'est-à-dire, je dois pouvoir ensuite dire, je crée une expérimentation qui va pouvoir dire si cette théorie est vraie ou fausse. C'est-à-dire que si votre théorie ne produit pas d'expérimentation qui peuvent ensuite la faire tester, alors dans ce cas-là, on ne peut pas dire si elle est vraie ou fausse, et du coup, ce n'est pas une théorie scientifique. On prend un exemple tout à fait que tout le monde connaît, la religion. La religion, si on le considère comme une théorie, dans ces cas-là, il n'y a pas de preuve au sens « je pourrais prouver que Dieu existe ». Donc, ça n'est pas une théorie scientifique. Plus proche de nous, on a justement la psychiatrie de Freud, où plus ou moins tout était rapporté au problème avec vos parents, c'est pas une théorie scientifique, parce que ce qu'elle produit, elle peut expliquer tout et n'importe quoi, mais ça n'est pas falsifiable, ça n'est pas réfutable. Alors, pour ces deux principes-là, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est que les différents scientifiques puissent communiquer. Si, et c'est ce qui se passait au 17e, 18e, voire même jusqu'au 19e siècle, si vous n'aviez pas accès à ce que font les autres, et bien dans ce cas-là, vous allez refaire les mêmes expériences, vous allez refaire les mêmes résultats, on perd du temps, et la science était plus dans un âge assez sombre, chacun faisait de son côté. Donc, par exemple, si on prend, mettons, Alice et Bob, si jamais ils veulent communiquer, dans ce cas-là, il va leur falloir un support de communication. Et c'est ce que sont les publications.
C'est-à-dire que vous avez un format, vous allez écrire vos résultats avec ce format, une introduction à une méthode, vos résultats et les conclusions, potentiellement en donnant les limites, les pistes de recherche, etc. Mais ce qu'on a ici, c'est un format pour permettre aux scientifiques de communiquer. Et c'est ça le principe fondamental des publications. D'abord, évaluer et mettre en forme les connaissances scientifiques, et ensuite, permettre aux scientifiques de diffuser leurs connaissances. Sans ça, c'est difficile de faire de la recherche, du moins aussi productif que ce qu'on a au XXe et XXIe siècle. Sauf que ça, ça ne se fait pas tout seul. Au milieu, on va avoir ce qu'on appelle les publishers, donc les éditeurs de revues scientifiques. Ces éditeurs, il y en a plein, plusieurs centaines, mais les principaux, on va pouvoir avoir Elsevier, Springer, Nature, Science, Cell. Il y a énormément de revues comme ça qui sont appartenues par quelques groupes et qui vont faire les principales publications qui existent. En tout cas, on va dire, je crois qu'on en est à 40% par 3 publishers. Le processus qu'il y a, c'est on va avoir Alice qui va créer, qui va avoir une expérimentation, qui va créer une publication expliquant les résultats et qui va les discuter. Dans ce cas-là, ce qu'elle va faire ensuite, elle va les mettre en forme. Dans ce cas-là, on appelle ça un manuscrit, simplement un document. N'importe qui peut faire un manuscrit. Ce n'est pas forcément scientifique parce que ça n'a pas été vérifié. Ensuite, elle va pouvoir l'envoyer justement à l'éditeur. L'éditeur, en général, on va avoir un éditeur in chief, deux personnes qui sont choisies parmi les chercheurs et qui vont bénévolement revoir cette publication. Donc ils vont dire ce qu'ils en pensent, ils vont relever les éventuels problèmes de fond, de la forme, et ils vont dire ensuite si soit ils acceptent directement, je vous rassure ça n'arrive jamais, soit ils demandent des modifications, ce qui est ce qui arrive la plupart du temps, soit ils rejettent, c'est ce qui peut aussi arriver assez souvent. Dans ces cas-là, si jamais, on va se concentrer ici sur la partie correction, si jamais ils demandent des corrections, ils vont dire ce qui ne leur va pas, et ils renvoient à Alice. Alice peut dans ces cas-là choisir de faire ses modifications, d'argumenter pour ne pas les faire, si elle pense qu'elle a vraiment raison, ou d'arrêter ici le processus de publication et d'aller tester ailleurs. Mettons qu'elle accepte, dans ce cas-là elle change ce qu'il faut et elle va le renvoyer. Elle va le renvoyer aux éditeurs. Bon là j'en ai mis qu'un seul parce que bon c'est un peu long à faire des allers-retours sur la présentation, mais il faut se dire qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4 fois, on peut avoir 6 fois, 10 fois des allers-retours entre les publishers et les scientifiques pour expliquer et pour argumenter sur qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il ne faut pas. La première publication, ça a mis 1 an et demi. Parce que au bout de 6 mois, les bénévoles chercheurs qui reviewaient la publication ont simplement arrêté de répondre. Apparemment, c'est assez rare, mais ça arrive. Du coup, il a fallu retrouver d'autres personnes qui voulaient bien les valider et qui voulaient bien reprendre tout le processus avec des corrections différentes, forcément. Donc ça reste assez long et c'est chronophage, ça c'est clair. Du temps que vous n'utilisez pas pour faire de la recherche. Une fois qu'ils ont validé, parce que normalement c'est, on va dire, on a quoi, je crois, 1/3 des publications qui sont acceptées au bout d'un moment. Donc une fois qu'ils ont validé ça, dans ces cas-là, on passe au ce qu'on appelle post-print. Là, c'est le moment où c'est validé. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est vraiment un résultat scientifique. Il peut y avoir des erreurs. Mettons par exemple l'étude sur les vaccins et l'autisme, elle a été publiée. Ensuite, l'éditeur s'est rétracté avec certains commentaires, etc. Mais c'est plus des exceptions que la norme. Et ce processus-là permet justement que ces exceptions soient rares et qu'on ait un processus qui soit véritablement le plus fiable possible et qui permette des résultats scientifiques les plus clairs, bien mis en forme et diffusables derrière. Sauf qu'une fois que ça s'est fait, dans ce cas-là, ça va être publié la plupart du temps aujourd'hui sur le site de l'éditeur. On fait très peu de revues papier aujourd'hui. Et ça appartient à l'éditeur. À partir du moment où c'est publié, ça appartient véritablement à l'éditeur. C'est-à-dire que le scientifique garde le droit de paternité, ça c'est un fait. Mais ensuite, ça appartient à l'éditeur, la réutilisation, la diffusion, etc. Vous n'avez pas le droit, une fois que c'est publié, de le mettre sur votre site internet, sur ResearchGate. Cette version publiée, parce que c'est illégal.
vos droits ont été directement donnés à l'éditeur. Et dans ces cas-là, Bob peut ensuite payer, ou alors s'il est dans une institution, il a accès la plupart du temps avec des abonnements à ces revues-là, et du coup il peut lire ce papier. Pour vous donner un ordre d'idée, un papier c'est à peu près entre 30 et 70 dollars. Un papier. Donc, autant dire que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas accès à une institution, si vous n'êtes pas un étudiant, un enseignant-chercheur dans un laboratoire accrédité qui a ces abonnements-là, vous ne pourrez jamais lire tous les papiers que vous voulez. Parce que chaque papier fait référence à tel autre papier, qui fait référence à tel autre, etc. C'est l'effet Wikipédia. Vous arrivez sur un papier et ensuite vous allez vous retrouver avec 5, 6 papiers, 10 papiers à lire et vous y passez votre après-midi. Et potentiellement vous y passez l'ensemble de l'argent que vous avez. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est ça qu'il faut bien se dire en fait. Que les chercheurs aujourd'hui ont tendance à oublier. Les tout premiers papiers édités, les toutes premières revues, il y en avait une française et une anglaise en 1655. Ces tout premiers-là éditaient, mais ils n'avaient pas les droits. On avait ce qu'on appelle un droit de recopie. C'est-à-dire que le droit d'auteur faisait une exception pour les papiers scientifiques. Vous avez le droit de diffuser, de rééditer, de reprendre ce qui était mis dans ces revues. Bon, à l'époque, c'était un peu moins facile, parce que soit il fallait recopier à la main, soit on avait l'imprimerie, mais tout le monde n'avait pas accès. N'empêche que la diffusion était libre, au sens libriste du terme. Et puis ensuite, il y a des éditeurs qui sont arrivés, et notamment le fameux Maxwell. Maxwell, Robert Maxwell, qui au départ était tchèque, ensuite naturalisé anglais, était vraiment un génie du marketing. Il a vraiment transformé au 19e siècle l'édition. Il parlait déjà 9 langues, donc ensuite, pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé dans l'armée anglaise et il faisait passer les secrets industriels des espions jusque dans l'armée anglaise. Donc, comme ces espions pouvaient être de différentes nationalités, il parlait 9 langues, ça aidait pas mal pour ensuite traduire ça tout en anglais et permettre aux scientifiques anglais d'avancer leurs recherches avec l'espionnage. Ils centralisent donc les vols de technologie, et ensuite, à la fin de la guerre, donc en 1946, ils s'occupent de la compagnie Butterworth. Butterworth, c'était une volonté du gouvernement anglais de moderniser leurs publications et leurs éditions. Pour l'instant, il y avait des compagnies, par exemple, comme Elsevier, qui était hollandaise, mais c'était assez restreint. Et pour éviter que ça ne parte dans les mains de puissances étrangères, les Anglais se sont dit, il faut qu'on modernise nos revues qui sont assez archaïques. On avait la presse de Oxford, la presse de Harvard, mais la diffusion était restreinte. Surtout après tout ce qui était projet Manhattan, etc. Les instances décideurs se sont bien rendu compte qu'il fallait encourager la recherche. Donc ils se sont mis à donner énormément d'argent aux universités pour créer des systèmes universitaires, pour publier, pour faire des recherches. Et c'est ce que Maxwell a bien compris. Une fois qu'ils ont... Enfin, il a bien compris ça et il a créé en 1951 Pergamon Press. Pergamon Press, c'était un des éditeurs à l'époque, mais c'était pas du tout le seul. Comme j'ai dit avant, on avait Elsevier qui était hollandais. Mais Pergamon Press a révolutionné l'édition. Avec une petite pensée toute simple, c'était que contrairement au marché habituel, on n'a pas de dilution du marché s'il y a plus de revues. Cette phrase simple, elle a complètement révolutionné et a permis à Maxwell de devenir milliardaire. Plus en détail, il n'y a pas de dilution du marché, c'est-à-dire que, mettons que vous avez 3 papiers, si ces 3 papiers sont dans une revue, alors les scientifiques, les institutions vont payer pour avoir accès à cette revue. Si ces 3 papiers sont dans 3 revues différentes, ben ils vont payer pour les 3 revues différentes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, mettons que quelqu'un a soif, vous lui vendez de l'eau, et ben ensuite il n'aura plus soif. Mais les publications, si c'est dans 10 000 revues différentes, il va falloir acheter les 10 000 revues différentes. Parce qu'un scientifique va pouvoir publier dans plusieurs revues différentes, et ensuite vous aurez besoin de tous ces papiers, de toutes ces revues, pour comprendre l'ensemble de son travail. Et c'est ce qui a fait que Pergamon Press a commencé en 1959 avec 49 revues, en 1965 ils en avaient 150, et en 1992 ils en avaient plus de 400.
et toujours des titres assez pompeux. On avait International Journal of quelque chose. Il adorait ce genre de truc, Maxwell, parce que ça faisait très... j'ai envie de dire fumeux, mais non, enfin pas forcément. Ça faisait très fort en tout cas, et ça donnait un argument marketing pour des scientifiques qui au départ n'étaient pas vraiment bien considérés. Donc ça leur permettait de flatter leur ego. Il a joué énormément là-dessus. À ça, on ajoute l'augmentation des coûts d'abonnement. Là, je prends un exemple, Brain Research. En 1984, ça coûtait 2 500 $. En 1988, ça coûtait 5 000 $. Alors, à la limite, vous pouvez augmenter les coûts si vous avez des coûts supérieurs après. C'est pas un problème. Mais les publishers, ils faisaient rien de tout ça. Bon, en tout cas, ils faisaient très limité. Qu'est-ce qui peut changer dans le processus un doublement de coûts en 4 ans? Rien. Ou alors le fait que les institutions étaient capables de payer parce qu'on leur donnait énormément d'argent. Sauf que quand ils se sont rendus compte que c'était trop tard, que ces éditeurs privés étaient déjà en train de façonner la recherche, eh bien ils n'ont pas pu faire marche arrière. Parce que chaque institution était de son côté, et il n'y avait pas de, à l'époque en tout cas, il n'y avait pas de consortium à ce niveau-là qui permettait de discuter véritablement avec eux. On avait des super compagnies privées qui façonnaient la recherche publique. Et qui le font depuis. Notamment avec par exemple des retours aussi hauts que 47% de marge. Donc, je vais revenir sur ce chiffre après, ou en tout cas sur les marges des éditeurs, et c'est phénoménal. C'est 47% de marge, c'est-à-dire que pour chaque dollar qu'ils dépensaient, ils retiraient 47 centimes. Il n'y a aucune industrie qui réussit à aller jusque-là. Aucune. En 1991, malheureusement, Pergamon a été victime du succès de la soif de richesse de son créateur Maxwell, et du coup s'est fait manger par Elsevier. C'est-à-dire que Maxwell a vendu Pergamon Press parce qu'il avait d'autres compagnies à côté qui étaient plus ou moins au bord de la faillite. Il l'a vendu, aujourd'hui c'était à peu près un peu moins d'un milliard de livres. Un million de livres, pardon. C'était assez énorme. Et est venu l'avènement d'Internet, et avec Internet on dit c'est bon, on va pouvoir arrêter les publishers, parce que maintenant n'importe quel scientifique va pouvoir mettre son article en ligne sur son blog, sur son site, sur le site de l'institution, il n'y aura plus aucun souci, n'importe qui va pouvoir accéder à n'importe quoi. En fait, non, du tout. Il ne s'est rien passé du tout parce que les publishers ont réussi à trouver la parade qui était ce qu'ils appellent le big deal. C'est-à-dire qu'effectivement, si les institutions avaient accès sur certains sites, ou les chercheurs avaient accès sur certains sites à des publications, alors dans ce cas-là, ils pouvaient résilier l'accès à un journal. Ils disaient, ce journal-là, j'en ai plus besoin, regardez, toutes les recherches qui m'intéressent sont sur tel site. Sauf que les publishers, ce qu'ils se sont dit, c'est que, ok, on va faire des packages dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'ils vendaient l'ensemble de leur catalogue en une fois. Et donc dans ces cas-là, si les institutions acceptaient ce big deal, dans ce cas-là, ils étaient obligés d'être abonnés à l'ensemble du catalogue. Ils ne pouvaient pas choisir un. Et s'ils choisissaient au journal, alors dans ce cas-là, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc on avait des institutions qui se sont abonnées à l'ensemble des journaux, dont on va dire peut-être 90%, ils n'en avaient rien à faire, mais parce que c'est les 10% restants restaient plus chers au journal que ce big deal. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, ça, c'est tiré d'un rapport du CNRS. On voit qu'il y a quelques publishers qui concentrent le marché. On a Elsevier, si vous avez déjà lu les publications ou si vous êtes dans la recherche, vous devez les connaître. Elsevier, Wiley, Springer, je crois qu'il fait partie de Macmillan Nature. Informa aussi, qui est un peu moins connu, mais qui édite énormément de revues. Et on a quand même une bonne partie de petits publishers. Donc c'est pour ça que dire que les publishers sont mauvais, pas forcément. Ça dépend lesquels. On a des publishers, notamment les publishers de certaines institutions, qui survivotent. Ils vont avoir peut-être quelques publications qui vont être vendues, quelques journaux qui vont être vendus, mais si vous leur supprimez si deux institutions décident de ne plus se représenter, de ne plus faire leur abonnement, alors dans ce cas-là, ils sont finis. Et de l'autre côté, on a des multinationales qui font des marges assez énormes. Pour vous donner une idée,
J'ai fait un petit graphique en récupérant sur internet des marges de manière générale pour les entreprises, pas que pour les publications. Donc, si on prend par exemple les trois premiers, est-ce que vous auriez des idées? Quel type d'entreprise peut avoir ce genre de marge? Alors les premiers, c'est les banques, pour à peu près 3%. Bon, c'est les banques US. Le deuxième, c'est la moyenne toute industrie confondue. On est en général à 7%, 7,3%. Tout ce qui est ce qu'on appelle leasing et les locations de voitures, on est un peu plus au-dessus, 12%, enfin, voire 13%. Ensuite, ce qu'on va pouvoir avoir, forcément, on va parler des GAFA. On a Alphabet qui était en 2018, je parle, un peu plus de 27%. Informa, qu'on a parlé tout à l'heure, c'était le premier publisher dans notre liste ici, ils sont 29%. Et Microsoft dépasse les 30%. Donc, on connaît déjà, tout le monde sait que les entreprises de services informatiques comme les GAFA ont des marges énormes. Parce qu'on a des services, par exemple les jeux, on va avoir les logiciels, on peut en produire énormément, les coûts sont très faibles, à l'inverse de produits physiques. Mais ce qui est énorme, c'est que ces publishers-là, ils sont dans ce top-là aussi. On a Wiley, Elsevier, bon, Facebook qui pour l'instant a le top. Mais la différence entre les GAFA et ces publishers, c'est que, imaginez que demain les publishers arrêtent de faire des améliorations sur leur site internet, sur leur process, etc. Ils vont quand même toujours gagner de l'argent. Si Facebook ne fait rien pendant 10 ans, le nombre d'abonnés va décroître au fur et à mesure. On a bien vu avec les scandales, soi-disant réparés hier soir à la table ronde, etc. Mais ils sont obligés de bouger. Les publishers, non. C'est un processus qui fait gagner de l'argent sans avoir besoin de plus que ça. Ça, j'aimais bien, c'était quand j'ai regardé les reports annuels de Informa, ils mettaient des peintures, je sais pas trop quoi. Je trouvais ça rigolo, au final, c'est juste des chiffres derrière. Mais... Donc, qu'est-ce qu'on a au final, pour résumer de tout ce qu'on a aujourd'hui? Dans les plus, effectivement, les publishers permettent la circulation de la connaissance. C'est en fait, vous enlevez les publishers, demain, le monde de la recherche est complètement foutu. Parce que les chercheurs n'ont aucun moyen de s'organiser eux-mêmes pour l'instant pour donner leur propre, trouver leur propre canaux de communication. C'est en train de s'organiser, mais c'est beaucoup plus difficile de chercher un papier spécifique plutôt que d'aller sur le site d'un publisher ou d'aller sur Google Scholar et de récupérer directement avec quelques mots-clés la publication qui vous intéresse. C'est tout. Là, je parle du point de vue des scientifiques. Ensuite, je pourrais rajouter « ça fait du fric ». Bon, c'est leur principale motivation, on est d'accord. De l'autre côté, ça oriente la recherche. Il faut bien vous dire que, forcément, si vous dites que vous allez publier et que vous devez donner des abonnements, vous voulez des publications sexy. Vous voulez de la recherche sexy qui va se vendre. Vous avez trouvé un vaccin contre la rage. Les vaccins causent l'autisme. Là, il n'y a pas longtemps, on avait l'astéroïde Oumuamua qui serait peut-être une sonde extraterrestre. C'est le genre de publication qui va être parlé dans les journaux et que les gens vont avoir envie de lire, donc ils vont s'abonner. A l'inverse, essayez de publier un résultat où vous avez prouvé qu'il n'y a rien du tout, c'est pas possible. C'est très difficile, en tout cas dans les journaux habituels. Ensuite, ça empêche la libre circulation des connaissances, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un paywall. Si vous voulez regarder ça, vous allez payer. Et enfin, ça fragmente les connaissances. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plein de publications, ce que vous devez connaître comme publish or perish, vous êtes obligé de publier vos résultats dans plein de journaux différents, ou plusieurs fois dans le même, mais il va falloir payer plusieurs fois derrière. Donc, une fois que je vous ai bien mis ça en tête, et que c'est un monde de requins, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, au niveau organisationnel, faut que je parle absolument de couperins qui sont phénoménaux. Si vous êtes dans des institutions, vous avez dû recevoir un mail il n'y a pas longtemps comme quoi ils n'allaient pas se réabonner à Springer et Elsevier. Ils ont refusé. Et ça, c'est fondamental et super courageux. Ils ont refusé parce que c'était beaucoup trop cher et que chaque année, les prix augmentaient alors qu'il n'y avait rien derrière. Il n'y avait pas de modification du site internet ou ce genre de choses. Donc, il n'y avait aucune explication pour augmenter les prix à part gagner plus de fric. On a aussi d'autres consortiums européens et nationaux, mais Couperin en France,
est un, vraiment un modèle. Et de l'autre côté, on peut aussi faire des lois. On a l'article 30 de la loi pour une république numérique qui dit aujourd'hui que ces publications, vous pouvez, au bout de, je ne sais plus, peut-être un an, comme en Allemagne, vous pouvez les mettre en ligne. Elles sont libres de droit. Et ça, ça n'a pas forcément fait beaucoup de bruit. Après, vous avez au niveau individuel aussi. Vous pouvez publier en open access, moyennant entre 2000 et 5000 euros. Enfin, dollars. C'est pas cher, c'est bien. C'est complètement abusé. C'est pas un open access tel qu'on le voit nous. Après, il y a d'autres papiers, par exemple, d'autres journaux comme PRG, qui proposent 400 dollars et vous pouvez publier autant que vous voulez dans toute votre vie. Là, à la limite, on a des coûts qui sont en rapport avec le service qui est proposé. Après, on a aussi les archives ouvertes. Donc, je vous rassure, c'est pas ça, mais c'est plus ça. HAL, Hyper Article en ligne, qui est porté par le CNRS, est aussi un modèle au niveau de l'archive ouverte. On a aujourd'hui plus d'un million de publications qui sont dessus. Des thèses, des publications, des mémoires de master. Et ça, c'est ce qu'on appelle réellement de l'open access. Et après, on a le green open access, c'est-à-dire, si vous vous souvenez tout à l'heure, vous avez le papier qui est publié, mais avant, vous avez post-print. Ce post-print, vous avez le droit de le mettre en ligne. Bon, la plupart des publishers l'acceptent. Vous voyez sur un site qu'on appelle Sherpa Romeo pour vérifier les autorisations, mais c'est possible. Et enfin, bon, j'imagine que vous l'attendiez aussi, on a le cas de Sci-Hub. Sci-Hub a sauvé ma thèse. C'est réellement sans ça, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai pu faire, parce que j'avais pas accès dans un laboratoire qui est surtout orienté ingénierie, l'ONERA. On n'avait pas accès à des publications au niveau psychologie. Sans Sci-Hub, j'aurais pas pu avoir accès à ça. Mais moi, je trouve ça pas normal qu'on en soit revenu à ça. Sci-Hub, pour expliquer, c'est un peu le Pirate Bay des publications. N'importe qui met ça sur Sci-Hub, c'est totalement illégal. Ça a été créé par Alexandra Elbakan, qui est une Kazakh, je crois, russe. Et on a aujourd'hui deux tiers des articles qui sont dessus. Et je trouve ça dommage qu'on en arrive à ce point-là. Pour un accès aux connaissances scientifiques qui sont payées par de l'argent public. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, c'est que, à mon sens, le système de publication aujourd'hui est biaisé. C'est géré par des multinationales qui orientent la recherche. On ne peut pas se permettre ça sur recherches qui sont publiques, pour des privés, bon voilà, le MIT il fait ses trucs de son côté, pourquoi pas. Mais pour des fonds privés, qui sont payés par notre argent, que ensuite nous on doive payer derrière, des fonds publics, qui soient payés par notre argent, que nous on doive payer derrière, c'est pas normal. Et en tout cas pas à ces coûts-là. Dans un sens, l'accès aux connaissances, il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Normalement, chacun doit avoir accès à ses connaissances. On ne peut pas laisser quelqu'un dans l'obscurité simplement parce qu'on a une recherche de profit. Ça ne devrait pas être le cas, même si, bon, voilà, on en revient à la question hier, capitalisme. Enfin, c'était pas une question hier. Et dans ce sens-là, le libre accès, il pourrait justement supprimer ce mur entre le monde scientifique et la société. À chaque fois, on parle du monde scientifique comme si c'était horrible, c'était quelque chose, une structure vague, mais avec des gens qui font des trucs bizarres, avec plein de chiffres, et on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils font leur truc de leur côté, mais avec notre argent quand même. Voilà, quand on parle de tout ce qui a été problématique pour avoir des fonds pour la NASA, de l'autre côté, on en voit pour la guerre, etc. Enfin, c'est un énorme débat qui largement au-delà de cette présentation, mais si les gens avaient accès à ces connaissances en libre accès, n'importe qui pouvait, alors on pourrait faire quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert et on avancerait beaucoup plus vite. Et enfin, pour terminer, une petite idée, mais c'est pas forcément la mienne, j'ai pu réussir à retrouver le gars chez qui je l'avais lu, pourquoi pas un organisme international, par exemple sous l'égide de l'ONU, qui gérerait ce système de publication. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions...